Oui, c'était une meilleure journée aujourd'hui puisque notamment Jean-Christophe a fait une étape formidable. Et voilà, Romain a attaqué, il avait envie d'attaquer s'il avait des bonnes jambes. Donc c'est finalement ce qu'il avait envie de faire. On a fait rouler Ben Gastower dans le dernier kilomètre de l'avant-dernier col. Et Romain a attaqué pour essayer de faire la descente et de déstabiliser un petit peu le groupe à l'arrière. Voilà, donc c'est une tactique qui a été porteuse, et notamment qui a servi à Jean-Christophe Perrault, qui a été très fort encore une fois, puisqu'il a réussi à suivre le maillot jaune. Donc c'est une bonne journée pour l'équipage général mondial. Maintenant, le podium est clairement envisageable pour Jean-Christophe? Oui, oui, a priori c'est tout à fait faisable. Bon, il y a encore une journée difficile demain, avec l'arrivée donc en TACAM, mais bon, c'est une... Je pense qu'il est dans une forme exceptionnelle. Et si les écarts restent comme aujourd'hui, s'il ne perd pas de terrain ou s'il en gagne, tout est encore réalisable pour peut-être même la deuxième place.